On va partir sur autre chose. On va partir sur tout un tas de danses qui se faisaient sur notre secteur Saint-Antelme. On va couper avec ce qu'on a fait tout à l'heure. On va laisser de côté Saint-Antelme, les estives. On va simplement rentrer dans ce qui était plus festif, ce qu'ils faisaient pendant les veillées, ce qu'ils faisaient autrefois à maintes et maintes occasions. Et il y avait toute une suite de danses de triade qui étaient faites. Donc on va commencer par la Cochinchine. Cochinchine, Renaissance, Triade, Ronde de la Ribère, ainsi de suite, tout un tas de danses qui nous ont été répertoriées sur notre secteur. À quelle occasion elles étaient faites? On va dire bien souvent au moment des gros travaux, bien souvent au moment des veillées. Simplement, c'était relativement sympa parce qu'on se retrouve avec deux filles. Donc ça veut dire qu'on faisait deux poutes ou quoi en fait. Ah, je voudrais être sûr d'une chose par contre. Ça fait pas très très longtemps que nous on est rentrés à la fédération. Est-ce que c'est... Vous faites tous trois bises ou pas? Oui, trois. Qui est-ce qui en fait deux? Dans le Bourbonnais, excusez-moi de vous dire, vous êtes des cons, parce que... Je vais vous expliquer pourquoi les anciens... Non, le prenez pas mal, mais vous le savez pourquoi... Je vais vous dire... C'est noté. C'est noté. Il a raison. Il a les noms, Roger. Non, mais sincèrement, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais je veux dire, c'est... Voilà, c'est du fond du cœur, exactement. Mais je vais en fait expliquer pourquoi, parce que moi, il y a mon grand-père qui me disait... parce qu'un jour, on a fini pour poser la question au pépé pourquoi on faisait trois bises. Et il nous disait, ben petit, tu fais la première sur la joue gauche ou sur la joue droite, peu importe. Et la deuxième, pépé, ben la deuxième, tu vas la faire sur l'autre joue. Et la troisième, et il disait, là petit, la troisième, tu la fais où tu veux du moment que tu la fais derrière le chapeau. Alors là, les gars, vous n'êtes pas bons du tout. Allez, c'est parti. Cochinchine, Renaissance, Triade, Ronde de la Ribère. Et ensuite, on enchaînera sur une autre cadrette qui, elle, est vraiment traditionnellement dansée à Saint-Antelme. L'air, bah, à la limite, il faudra qu'on fasse remonter la partition auprès de Gilles Martin parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Donc, on part sur cette suite de triades. Et puis ensuite, une danse, on ne sait pas s'il faut l'appeler... une sabotière, s'il faut l'appeler la bourrée de Saint-Antelme, s'il faut l'appeler la poule. À l'époque, André Bourdier nous avait dit, mais ça ressemble un peu à la poule, donc on ne sait pas trop. Ceci étant dit, voilà, c'est une danse qui était faite à Saint-Antelme. On vous montre ça tout de suite, et après, on cédera la place à nos collègues d'Ambert. J'en profite juste une chose. Je voulais juste remercier au passage le président de notre fédération, qui en l'occurrence Patrick est président d'Ambert. Vous savez, c'est vachement important pour nous qui sommes complètement excentrés à l'autre bout du département du Puy-de-Dôme, et ben de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être reconnu et danser devant ses pairs. C'est vachement important et c'est d'autant plus important au sein de la fédération. Alors petit à petit, toutes ces choses-là mis bout à bout, c'est un jeu de construction, mais c'est pas facile, ça demande du temps, mais on y arrivera. Allez, c'est parti là-dessus. Désolé de vous avoir dérangé, merci. Thank you.
Nous allons vous proposer la bourrée d'Aurillac qui représente les Aurillacois venus faire les vendanges, dans notre petite région viticole. S'en suivra également une polka piquée. Thank you.
finit sur la montagnarde. Allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, en votre nom à tous, je voudrais très sincèrement qu'on les applaudisse notre fois. Alors, je voudrais, et là en tant que président fédéral, et non pas en tant que président du Libre de Nancerre, tout simplement les remercier du travail qui a été fait, en un laps de temps extrêmement court. Je peux vous dire que la Montagnarde, ils y étaient hier soir jusqu'à minuit pour la répéter. Donc je crois qu'ils ont bien travaillé. Je voudrais remercier tout particulièrement Michel, Aurélie et Fabien, qui, à eux trois, ont su structurer les deux groupes et faire ce qui a été présenté ce soir. Alors je sais, vous allez me dire, il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est parfaitement conscient, mais je crois que c'est un début. Et je crois que moi, ce que j'en retire ce soir, c'est cette motivation. On a vu des gens qui avaient envie de danser, qui avaient envie de perpétuer leur tradition, de montrer leur tradition tous ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que Michel l'a signalé tout à l'heure, cette joie de vivre, cette envie de danser, je crois que c'est ça le plus important. Alors, tous les aspects techniques, tout ce que l'on pourra apporter derrière en amélioration, viendra après. Je crois que l'on a démontré ce soir que deux groupes sur une même entité géographique, eh bien on pouvait travailler ensemble, on pouvait faire quelque chose, et je crois que ça c'est extrêmement porteur pour l'avenir. Je vous en suis très reconnaissant et je vous en remercie très sincèrement. Sur autre chose, on va partir sur tout un tas de danses qui se faisaient sur notre secteur Saint-Antel. On va couper avec ce qu'on a fait tout à l'heure. On va laisser de côté Saint-Antel, les estives. On va simplement rentrer dans ce qui était plus festif, ce qu'ils faisaient pendant les veillées, ce qu'ils faisaient autrefois maintes et maintes occasions. Et il y avait toute une suite de danses de triade qui étaient faites. Donc on va commencer par la Cochinchine. Cochinchine, Renaissance, Triade, Ronde de la Ribère, ainsi de suite, tout un tas de danses qui nous ont été répertoriées sur notre secteur. À quelle occasion elles étaient faites? On va dire bien souvent au moment des gros travaux, bien souvent au moment des veillées. Simplement, c'était relativement sympa parce qu'on se retrouve avec deux filles. Donc ça veut dire qu'on faisait, on faisait deux poutres ou quoi en fait. Ah, je voudrais être sûr d'une chose par contre. Ça fait pas très très longtemps que nous on est rentré à la fédération. Est-ce que c'est... Vous faites tous trois bises ou pas? Oui, trois.
Qui est-ce qui en fait deux? Dans le Bourbonnais, et ben dans le Bourbonnais, excusez-moi de vous dire, vous êtes des cons, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi les anciens. Non, le prenez pas mal, mais vous le savez pourquoi. Je vais vous dire. C'est noté. C'est noté. Il a raison. Il a les noms, Roger. Non mais sincèrement, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais je veux dire c'est... Voilà, c'est du fond du cœur, exactement. Mais je vais en fait expliquer pourquoi, parce que moi, il y a mon grand-père qui me disait, parce qu'un jour, on a fini pour poser la question au pépé pourquoi on faisait trois bises, et il nous disait, ben petit, tu fais la première sur la joue gauche ou sur la joue droite, peu importe, et la deuxième, pépé, ben la deuxième, tu vas la faire sur l'autre joue, et la troisième, et il disait, là, petit, la troisième, tu la fais où tu veux, du moins que tu la fais derrière le chapeau, alors là, les gars... Vous êtes pas bon du tout. Allez, c'est parti. Cochinchine, Renaissance, Triade, Ronde de la Ribère. Et ensuite, on enchaînera sur une autre cadrette qui, elle, est vraiment traditionnellement dansée à Saint-Anthème. L'air, bah, à la limite, il faudra qu'on fasse remonter la partition auprès de Gilles Martin, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Donc, on part sur cette suite de Triade, et puis ensuite une danse, on ne sait pas s'il faut l'appeler une sabotière, s'il faut l'appeler la bourrée de Saint-Anthème, s'il faut l'appeler la poule. À l'époque, André Bourdier nous avait dit, mais ça ressemble un peu à la poule, donc on ne sait pas trop. Ceci étant dit, voilà, c'est une danse qui était faite à Saint-Anthème. On vous montre ça tout de suite, et après, on cédera la place à nos collègues d'Ambert. J'en profite juste une chose. Je voulais juste remercier au passage le président de notre fédération, qui en l'occurrence Patrick est président d'Ambert. Vous savez, c'est vachement important pour nous qui sommes complètement excentrés à l'autre bout du département du Puy-de-Dôme, et ben de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être reconnu et danser devant ses pairs. C'est vachement important, et c'est d'autant plus important au sein de la fédération. Alors petit à petit, toutes ces choses-là mis bout à bout, ben, c'est un jeu de construction, mais c'est pas facile, ça demande du temps, mais on y arrivera. Allez, c'est parti là-dessus, désolé de vous avoir dérangé, merci. We'll be right back.
petit tour dans le Cantal. Nous allons vous proposer la bourrée d'Aurillac, qui représente les Aurillacois venus faire les vendanges, dans notre petite région viticole. S'en suivra également une polka piquée. Sur la montagnarde ? Allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, en votre nom à tous, je voudrais très sincèrement qu'on les applaudisse une autre fois. Alors, je voudrais, et là en tant que président fédéral, et non pas en tant que président du Libre de Nancerre, tout simplement les remercier du travail qui a été fait, qui a été fait en un laps de temps extrêmement court. Je peux vous dire que la Montagnarde, ils y étaient hier soir jusqu'à minuit pour la répéter. Donc je crois qu'ils ont bien travaillé. Je voudrais remercier tout particulièrement Michel, Aurélie et Fabien, qui, à eux trois, ont su structurer les deux groupes et faire ce qui a été présenté ce soir. Alors je sais, vous allez me dire, il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est parfaitement conscient, mais je crois que c'est un début. Et je crois que moi, ce que j'en retire ce soir, c'est cette motivation. On a vu des gens qui avaient envie de danser, qui avaient envie de perpétuer leur tradition, de montrer leur tradition tous ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que Michel l'a signalé tout à l'heure, cette joie de vivre, cette envie de danser, je crois que c'est ça le plus important. Alors, tous les aspects techniques, tout ce que l'on pourra apporter derrière en amélioration, viendra après. Je crois que l'on a démontré ce soir que deux groupes sur une même entité géographique, eh bien, on pouvait travailler ensemble, on pouvait faire quelque chose, et je crois que ça, c'est extrêmement porteur pour l'avenir. Je vous en suis très reconnaissant et je vous en remercie très sincèrement.